Bonjour, bonjour à tous. Comme chaque dimanche, une petite mise au point de la semaine. Live non prévu. De toute façon, je fais plus de live prévu parce que tout part en cacahuète quand je prévois de faire un live. Donc je fais plus de live prévu. C'est le résumé de la semaine. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour. Bonjour Milrim. Bonjour Geoffrey Bird. Bonjour Jean-Yves. Je t'inviterai, Jean-Yves, après, si tu as quelque chose à dire de supplémentaire, pas de souci. Je vais d'abord m'exprimer, si tu veux bien, et après, je t'invite, si tu as des choses à dire, il n'y a pas de souci. Bonjour Hervé, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Alice, bonjour. Bon, alors, on va commencer, parce que c'est... Oh bah ça va, on est en début d'après-midi, donc il y en a qui n'ont pas encore commencé la sieste, donc c'est bien. Donc je voulais vous dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappé quand même cette semaine, c'est que coup sur coup, il y a eu quatre grosses informations. Donc la première, tout le monde est au courant, c'est l'usine de Seveso à Rouen, hein. Je développerai après. La deuxième, dans la foulée, les policiers qui ont fait leur démarche, hein, qui nous l'ont fait version gilet jaune et qui au final, en rentrant chez eux, y en a quatre qui se sont fait tuer. Je me joins à la famille pour leur tristesse, parce que bien sûr, bonjour Marc. Parce que bien sûr, la famille n'y est pour rien. Jean-Yves, bonjour. Nous avons le réchauffement climatique. C'est très important, hein, surtout quand c'est mené de front par une jeune fille de 16 ans. C'est vraiment... on ne va pas aller chercher plus haut. Hein. Et quatrième chose, quand on ne nous a pas parlé, mais qui est là, hein, c'est à la porte, c'est le crash financier de Wall Street. Bon, alors avant de commencer, il faut que vous sachiez, avant de démêler tout ça, on va essayer de démêler tout ça, mais sachez, brave Jean, que tout cela a été prévu à l'avance, depuis longtemps. Ah bah, sauf l'inversion d'épaule. Ah, et encore, on n'en est pas sûr, comme dirait Einstein. Hein. Bonjour Ahmed. On n'en est pas sûr, comme dirait Einstein. Donc, l'usine Seveso. Là, il y a eu tout et n'importe quoi. Et moi, je pense que derrière cette usine, il y a beaucoup plus qu'on ce qu'on voudrait nous faire comprendre. C'est-à-dire que, bon, il y a eu un feu, une explosion, les toits étaient remplis d'amiante. Oui, je sais, vous l'avez déjà entendu, mais je vous le répète, histoire de continuer un peu l'histoire. Les toits étaient remplis d'amiante, il y avait des fûts d'hydrocarbures qui ont bien sûr pris feu. Il y avait des fûts de produits radioactifs. Ah, eux, ils n'ont pas pris feu, ils n'ont pas sauté. Ah, ils sont restés intacts. Hein. Il y avait un brasier infernal, mais eux, ils n'ont pas sauté, ils sont restés intacts. Bah, oui. Mais sauf que il y a quand même de plus en plus de gens qui sont malades, alors que le jour même, mais dès le lendemain, le gouvernement s'est précipité, que ce soit le ministre de l'écologie ou quoi que ce soit, en disant « mais non, il n'y a pas de souci, l'air est devenu respirable, etc. etc. » Nous avons des odeurs bizarres, mais qui n'ont rien à voir avec ça, c'est tout à fait normal. Bonjour Angélique, bonjour à tous ceux qui viennent.
Donc, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, vous pouvez circuler dans la ville comme bon vous semble, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ben voyons, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, s'il n'y a pas de problème de ce côté-là, ah, néanmoins, 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 ne touchez pas aux fruits et légumes de vos potagers. Et ne mangez pas les céréales, ne buvez pas le lait, etc. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Néanmoins, nous avons eu donc des gens qui se sont, enfin, l'État qui a demandé à ce qu'il y ait des analyses de fait, et qu'ils ne prendront pas de décision concernant Rouen tant que ces analyses n'ont pas été faites et que donc il n'y ait pas un résultat sur lequel ils peuvent s'appuyer. Pardon. Le hic, c'est que c'est quand même des laboratoires payés par le gouvernement. Ça va de soi. De plus, les laboratoires sont pris entre le fait de dire la vérité, qui est ô combien importante, et le fait qu'ils sont oppressés par l'État, forcément. Moi, je pense, en ce qui concerne Rouen, que si on ne va pas faire des analyses ailleurs, dans un autre pays, on n'aura pas la vérité. On n'aura pas la vérité. On va nous cacher la vérité. C'est clair, c'est ce qu'il nous faut. C'est pas nouveau, c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce qu'ils font tout le temps. Minimiser les situations, tout en nous faisant peur. Parce que. Bonjour Anthony, bonjour Christian. Parce que le but, c'est que nous ayons peur. Alors, pour là, les gens de Rouen, ils ont plus peur. Ils sont complètement effrayés, forcément. Ils ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce que l'air est irrespirable. Ils ne peuvent pas manger les légumes qu'ils ont plantés. Ils ne peuvent pas boire le lait de leur ferme. Donc voilà, sans compter les conséquences qu'il va y avoir sur la santé, qu'il y a déjà sur la santé, parce que même malgré le fait que tout va très bien, Madame la Marquise, et que l'air est respirable et tout, il y a quand même de plus en plus de personnes qui se rendent dans les hôpitaux pour urgence. Il y a des gens gravement malades. Alors ça, c'est pour ce qui est de l'être humain. Mais les animaux, on en fait quoi? Il y a des animaux. Il y a les vaches, il y a les paysans qui ont des animaux, il y a tout le reste. À quel niveau vont-ils être contaminés? Pendant combien de temps on ne pourra pas, enfin ils ne pourront pas boire le lait de leur production? Pendant combien de temps les animaux vont tenir sans tomber malades? Ça, c'est une question à se poser. À première vue, l'État, non. Alors, moi, j'aimerais dire que, en attendant d'avoir les résultats des analyses, parce que ça fait quand même un petit moment, hein, entre le moment des résultats des analyses pour prendre enfin des décisions qui s'imposent, hein, selon les analyses, et les jours que les gens y vivent au quotidien à Rouen, que se passe-t-il? Que va-t-il arriver? Parce qu'au final, les gens y vivent dans une ville, dans une région qui n'est plus habitable. Grosso modo, elle n'est plus habitable. L'eau est dégueulasse. Elle est toute noire. On a eu des témoignages comme quoi, évidemment, les pompiers, quand ils sont arrivés pour éteindre le feu, ils ont balancé des tonnes d'eau. Mais l'eau, elle a fini où? À la Seine. Ils sont en train de nettoyer la Seine, elle a fini à la Seine. Mais ils nettoient la Seine, ils la nettoient des grosses particules. Mais les particules toutes fines qu'ils ne pourront pas avoir, ils vont faire comment? Ils vont mettre des pastilles d'iode dans la Seine? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Seine? Voilà, donc moi je pense qu'il y a vraiment un problème, et là il y a vraiment de la part de l'État non-assistance à personne en danger, et c'est très grave. C'est très grave parce qu'ils affirment des choses, premièrement qu'ils ne savent pas vraiment, deuxièmement qu'ils ne connaissent pas, et troisièmement qu'ils faussent des informations, qu'ils faussent.
Donc, à partir du moment où il fausse les informations, comment voulez-vous faire confiance à quoi que ce soit, à qui que ce soit? Si vous voulez vraiment avoir un résultat correct de ce qui se passe là-bas, il faut aller vous-même avec votre propre denier dans un pays à côté et aller faire vos analyses vous-même. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il en est. Parce que ne comptez pas sur l'État pour vous dire la vérité. Hein, moi, j'ai entendu certains sur Facebook me disaient, ouais, mais à un moment donné, il faudrait qu'on sache la vérité. Depuis quand l'État nous dit la vérité? Sérieux, je vous pose la question. Depuis quand il nous dit la vérité? Moi, depuis que je suis sur cette terre, et pour autant que je m'en souvienne, il ne nous a jamais dit la vérité. Hein. Jamais. Donc, après l'usine, nous avons eu, dans la foulée, mais alors dans la foulée, hein, les policiers. Alors ça aussi, je me permets de dire que là, il y a quand même, en dehors du fait que tout mon amour va à la famille des quatre policiers qui sont morts, qui sont pour rien, ils étaient juste à leur travail, c'est tout. Et franchement, je suis de tout cœur avec eux. Néanmoins, néanmoins, moi je trouve que avoir au sein de la défense, hein, de la défense, parce que c'est quand même dans un grand, oh, je pourrais même pas dire commissariat, c'est plus que ça, hein, c'est on traite des affaires, comment dirais-je, de notre État, on traite des affaires classées X, on traite des affaires de terrorisme, on traite des affaires quand même importantes, de la sécurité nationale au final. Et qui c'est qui s'occupe de ça parmi tant d'autres? Quelqu'un qui s'est converti à l'islam. Alors attention, ne faisons pas d'amalgame. Je n'ai absolument rien contre les musulmans. J'ai des amis musulmans. Il ne faudrait pas confondre musulmans et islamistes. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Les musulmans sont des musulmans, comme les catholiques, les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, c'est des musulmans. Les islamistes sont des radicalisés, c'est-à-dire que pour eux, rien ne va, tout est bon à tuer, etc., etc. Bon. À savoir quand même que si ces gens-là existent, c'est que quelque part on leur a donné le droit d'exister. C'est que quelque part on leur a fourni les armes, on leur a fourni les moyens, on leur a fourni les enfants. On leur a fourni le personnel pour que ce groupement-là existe. Et à votre avis, qui l'a fait? Vous l'avez fait? Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Par contre, le système, peut-être bien. Peut-être bien. Les affaires. Entre Benalla et tous les autres qui sont là et qui font des voyages alors qu'ils auraient pu avoir de passeport, mais qui continuent à faire des voyages quand même. Bah, moi, je dis que. J'ai déjà dit à l'époque que ça cachait quelque chose. Bah, première vue, ça cache pas quelque chose, hein. Ça fait que couvrir ce qui il existe déjà. Alors, comment voulez-vous faire une lutte contre le terrorisme? Hein? En ayant dans nos bases quand même relativement privées et où n'importe qui ne peut pas rentrer, des gens qui sont radicalisés. Hein? D'autant plus que la personne, elle avait quand même fait déjà l'objet de signalement. Et que ça fait pas que quelques mois qu'elle a été radicalisée, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'elle a été radicalisée. Alors oui, bien sûr, on ne va pas se poser des questions sur les gens avec qui on travaille depuis 11 ans. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu des signaux? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit quelque chose qui a fait croire que, effectivement, cette personne était en train de changer? Moi, ça me laisse pantoise, j'ai envie de dire, que des trucs comme ça arrivent, et puis. On annonce royalement qu'il y en a au moins une trentaine comme ça en France.
Je pense qu'au niveau du ministère de la Défense, il y a une grosse couille. Il y a une grosse merde et qu'il faudrait peut-être faire le nettoyage. Hein? Commencer à faire le nettoyage. D'un autre côté, est-ce que c'est pas voulu? Parce que 30, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 30 dans toute la France. Le ministère de la Défense a peut-être un petit peu de travail à faire là, je sais pas, hein, moi je dis ça, je dis rien, je suis en bas de l'échelle. Moi je dis que ce que je pense, et c'est mes convictions, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, c'est mes convictions. Et je pense qu'il serait temps, bonjour Fanou, comment vas-tu? Donc je pense qu'il serait temps que le ministère de la Défense se mette à faire quelque chose, parce que assez grave quand même. Ça touche à notre intégrité, ça touche à notre. Au peuple de France, tout simplement, quoi. Voilà, à la sécurité du peuple de France. Mais en fait, est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est pas nous maintenir dans la peur qu'ils veulent? Hein? Donc, déjà avec l'usine Seveso, hein? Là avec les policiers, ah, vous vous rendez compte? Même chez vous, même au travail, vous n'êtes pas tranquille parce que il y en a un jour, il pète un câble, pof, tout le monde, c'est tranquille, peinard. Alors moi, je ne sais pas, étant policier et étant quand même ayant eu l'accès à des formations pour avoir accès à tous ces dossiers, n'aurait-il été pas plus judicieux pour ce monsieur de prendre une arme de service, de tuer tout le monde? Pourquoi le faire au couteau? Pourquoi le faire au couteau? Et quatre d'un coup, à l'arme blanche? Je sais pas, écoutez, moi je sais pas, il y a des choses qui me paraissent bizarres, je sais pas vous, moi ça me paraît bizarre. Enfin bon, c'est mon avis, hein. Nous en venons au quatrième point. Le réchauffement climatique. Ah, ça c'est une affaire, le réchauffement climatique. Surtout que depuis que la petite Greta, elle a mis son pied dans l'histoire, ça y est, ça part dans tous les sens, c'est catastrophique, patati patata, les jeunes la suivent, oh là là, mais vous vous rendez compte, vous allez payer tout ce que vous avez fait, patati patata, ok, bon, alors quelque part, quand elle dit vous allez payer tout ce que vous avez fait, elle s'adresse au gouvernement, certes, elle s'adresse à tout. Le peuple du monde entier, certes, mais avant que la petite ne pointe son petit bout du nez, hein, ses parents étaient fautifs aussi. Ses parents étaient fautifs aussi. Puisque ses parents, bah, ils vivaient totalement comme tout le monde, voire pire, parce que quand on commence à frotter un peu et qu'on voit la lignée des parents et de cette jeune fille, etc. On se demande ce qu'elle fout là en fait, parce que ça, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour elle, c'est pas celui-là. Si elle est là, c'est juste pour maintenir un climat de peur. Elle pointe le doigt sur vous en vous disant, vous êtes responsable de ce qui arrive maintenant. Alors certes, on est responsable. On prend nos véhicules pour aller travailler. On prend l'avion pour faire des déplacements un peu importants. Parfois, ceux qui ont les moyens s'offrent une croisière. Ben ouais, mais pour aller d'un continent à l'autre, à la rame, ça me paraît un peu compliqué. Hein? Je sais pas, faut être professionnel pour ça. Hein? Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein? Donc, nous sommes responsables parce que nous prenons nos voitures pour aller travailler, parce que nous osons prendre des vacances, parce que nous osons nous déplacer d'un pays à l'autre du monde. Nous sommes responsables. Mais nos dirigeants ne le sont pas aussi. Nos dirigeants qui ont implanté, soi-disant, pour notre bien, forcément, mais c'est toujours pour notre bien. Pour nous trouver des emplois, pour nous trouver. Bonjour Nelly, ma puce, comment tu vas? Jérémy, bonjour.
Les gouvernements pour nous trouver des, soi-disant pour nous trouver des emplois. Donc c'est toujours pour notre bien. Hein. Croyez pas qu'ils fassent quoi que ce soit contre nous. Ça, c'est hors de question. Hein. Pour nous trouver donc notre bien, ils vous ont monté des usines qui polluent. À qui mieux mieux? Ils nous ont monté des centrales nucléaires qui sont tellement vieilles que elles sont, il faudrait les détruire, il faudrait les fermer, il faudrait faire quelque chose parce que forcément ça va plus. Bonjour Alexandre, contente que tu sois là. Bonjour, bonjour Yad. Donc tout ça pour notre bien, ils polluent l'atmosphère d'une façon si importante que même nos forêts n'arrivent plus à. Ils ont trop de CO2, nos forêts, elles peuvent plus, elles peuvent plus. Mais c'est nous les fautifs. C'est nous les fautifs. De toute façon, comme je disais l'autre fois, il faut toujours taper sur le même. Comme ça, on n'est jamais surpris, hein, et on se sent toujours fautif de ce qui se passe. Donc, il faut toujours taper sur le même. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que. En parlant donc de du réchauffement climatique, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand Monsieur Macron a pris la parole, n'est-ce pas, et qu'il a dit qu'on avait quand même, l'un des plus beaux parcs nucléaires de l'Europe. Alors, si nous, on a le plus beau parc nucléaire d'Europe, je voudrais pas savoir comment se passent les parcs nucléaires ailleurs. Sérieux, ça m'intrigue sérieusement, parce que si nous, nous avons les meilleurs, ça veut dire qu'il y a pire que nous. En sachant que nous, on n'est déjà pas au top. Bonjour Jacqueline. En sachant que nous, on n'est déjà pas au top, puisque ça fuit. Alors, il y a des fuites hein, qui ont été signalées. Il y a des moteurs nucléaires qui surchauffent tellement avec la chaleur qu'ils sont impossibles de faire baisser en température et que donc on est obligé de fermer. Et ça, partout en France. Alors, dites-moi, quel est le beau. Dans la phrase, le plus beau parc nucléaire de France. Je voudrais savoir ce qu'il entend par là quand même. Je voudrais savoir. Parce que le plus beau parc de centrales nucléaires en France, de nucléaire en France, il est quand même en train de rendre les gens malades. Hein? Soit dit en passant. En train de rendre les gens malades. Donc si ça, c'est avoir un beau parc nucléaire, qu'est-ce que c'est d'avoir un parc malade? Je vous demande. Je ne sais pas. Hein? Je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est pas ça. En tout cas pour moi c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Après, c'est bien qu'on nous dise qu'on a quand même un problème avec le climat, patati patata, que nous avons nous pauvres peuples du bas de la pyramide fait un bordel tellement monstre que. Nous avons foutu notre planète en l'air. Mais vous êtes au courant là que la Terre, elle est en train de changer sa polarité? Vous êtes au courant là qu'il y a une rotation qui est en train de se faire? Vous êtes au courant que quoi qu'on fasse aujourd'hui et maintenant pour enlever le CO2, pour enlever tout ce qu'on a fait et tout, on n'arriverait pas à rendre bonjour. Bonjour Dominique. On n'arriverait pas à remettre la Terre comme elle était, puisque la Terre elle-même est en train de bouger, que le nord devient le sud. Alors que forcément, il va y avoir des impacts. Il va y avoir des impacts sur le réchauffement. Si le nord devient le sud, on va avoir des impacts sur le réchauffement. On va avoir des impacts sur tout ce qui concerne la nature, les végétaux. Vous aurez plus les mêmes végétaux à l'endroit où il fait froid qu'à l'endroit où il fait chaud.
Vous n'aurez plus les mêmes animaux à l'endroit où il fait froid qu'à l'endroit qui fait chaud. Enfin, je sais pas, un peu de logique. Faut chercher un petit peu aussi quelque part, parce que c'est beau de dire le réchauffement climatique. Moi, je pense que les gens, ils sont pas encore prêts à savoir que la Terre est en train de changer. Hein? Enfin, personnellement, moi, ça me fait pas peur. Advienne que pour eux, hein. Moi je suis là de passage, donc advienne que pour eux. Mais sérieusement, est-ce que vous êtes obligé de tout mettre et d'approuver des trucs pareils, quoi? Alors évidemment, il y a un réchauffement climatique, évidemment, il y a un problème sur la couche d'ozone, évidemment, ça on le sait, mais ça on peut le réparer. Si on fait un peu attention, on peut le réparer. On a des moyens de réparer la couche d'ozone, même si certains cons veulent nous mettre un dôme à la place de la couche d'ozone, que le dôme ne ferait juste que séparer davantage les êtres et leur humanité et leur souveraineté et leur être-té. Moi je veux bien, mais est-ce que ça va régler le problème? Pas du tout. Pas du tout, parce que la Terre elle tourne, la Terre elle est en train de... ça va régler quoi au final? Rien. Rien. Alors oui, ça va rendre la Terre plus propre. On peut faire ça, bien sûr qu'on peut. Mais même, je vous conseille, on doit. Hein. Moi, quand j'emmène mon fils le matin ou quand je reviens, moi, toutes les saloperies que je trouve par terre, mais vous allez me prendre pour une conne, hein, mais toutes les saloperies que je trouve par terre, je les ramasse, je les ramène dans la poubelle la plus proche. Alors, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, c'est pas pour me mettre la couronne sur la tête, c'est juste pour vous donner l'exemple qu'il faut donner aux enfants. Hein, parce que l'exemple... Vous êtes déjà là? L'exemple... Non, on n'est pas déjà là. C'est juste moi, je vais prendre mon dessert. Je veux un petit gâteau Milka, s'il te plaît, maman. Eh ben, va chercher. Mais il est où? Il est au frigo. Pardon, petite pause pour petit Maxence qui se prend un petit dessert. Coucou Patrick. Donc, voilà, je disais donc que oui, effectivement, il est principal, il est important de faire attention, parce que c'est une question de respect vis-à-vis de nous, c'est une question de respect vis-à-vis du voisin, et c'est surtout une question de respect vis-à-vis de la terre. Hein? Parce que si vous mettez un papier par terre, hein, le papier il va se dégrader avec la pluie et tout, et au final, ça va nourrir les animaux. Mais si vous mettez une canette en alu par terre, elle ne va pas se dégrader, hein? Ah non, elle ne va pas se dégrader, hein? Pas tout de suite, hein? Il va y falloir du temps avant qu'elle se dégrade. Eh ben non. Le plastique, pareil. Le plastique, il va se dégrader, mais il va faire quoi? Il va aller se balader dans les eaux souterraines pour qu'on le retrouve après dans le robinet. Ah, ça, c'est bien. Ah, c'est très bien. Donc, oui, il faut faire quelque chose pour la Terre, à notre niveau. S'entend, à notre niveau, c'est-à-dire arrêter de tout jeter par terre, arrêter de, enfin tout ce qui pollue le jeter par terre, évidemment que tout ce qui est consommable, je veux dire une peau de banane, une peau de pomme, un truc comme ça, vous le jetez dans la forêt, c'est pas grave, ça va nourrir les animaux, c'est pas méchant. Maintenant quand on commence à balancer des canettes ou des choses, ou des plastiques ou même du verre, gardez-le dans la voiture ou gardez-le avec vous dans un sac et la poubelle la plus proche, pof, il y a des poubelles à tout bout de champ. Qu'est-ce que vous allez foutre ça par terre? Mais quel est le respect qu'on vous a appris? Quel est le respect qu'on vous a appris? Quel est le respect que vous apprenez à vos enfants pour plus tard? C'est ça, parce que la Terre, elle est en train de tourner, oui, mais à un moment donné, elle va s'arrêter de tourner, hein. Quand les pôles seront inversés, elle va s'arrêter de tourner. Et les choses vont redevenir petit à petit à la normale. Mais si vous, vous n'avez pas appris à vos enfants comment faire pour devenir propre, bah, ça serait toujours dégueulasse. Posez-vous la question à savoir s'ils font pareil chez vous. S'ils font pareil chez vous, faites attention, hein, y a un souci. Maintenant, s'ils ne le font que dehors, c'est à vous de leur montrer comment il faut faire. C'est tout. C'est pas plus bête que ça. Enfin, ça, c'était pour le réchauffement climatique, qui n'en est qu'à moitié, puisque, voilà, tout ne dépend pas de nous à ce niveau-là. Mais il y a autre chose aussi qui vient derrière. Mais ça, mais personne n'en parle. Moi, j'en ai vu passer. Je regarde M6, donc je vous l'ai dit, je regarde M6 un peu par obligation. Parce que moi, la télé était là, éteinte, ça me va très bien. Mais bon, je ne suis pas toute seule, donc... Je regarde M6 un peu par obligation. Et je n'ai jamais vu passer ce que je vais vous dire. Par contre, certains d'entre vous sont déjà au courant. Je vous parle du krach boursier. Le krach boursier. Tout le monde est en panique. Attention, il y a le krach boursier. Wall Street va fermer. Mon Dieu,
tout va se casser la gueule. Mais oui, c'est génial. Moi, je dis que c'est très bien. T'as qu'à tout se casser la gueule, mais ça aurait dû se casser la gueule depuis des années. Ça aurait pu se casser la gueule depuis bien longtemps si la FNED n'arrêtait pas d'envoyer de l'argent. Hein? Parce que la FNED envoie quand même des millions de dollars. Alors, je ne veux pas dire tous les jours parce que je ne suis pas sûre, mais au moins deux ou trois fois par semaine pour que Wall Street se tienne à un niveau plus ou moins en dessous de zéro. Hein? Mais oui, mais ça, on n'en parle pas, vous comprenez? Alors, ça porterait conséquence aux banques, déjà? Ah oui? Ça porterait conséquence à tous les lobbies? Ça porterait conséquence à tout? Mais c'est l'effondrement du système. Mais oui, mais c'est pour ça que la FNED continue à envoyer de l'argent pour maintenir Wall Street à niveau. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, on est contents. Bah oui. Bon, après, il va falloir retirer l'argent des banques. Alors, on va y aller à 20 euros par 20 euros, hein, ou 30 euros par 30 euros, hein, une fois par semaine. Hein, ça, bon, il ne fera pas grand-chose. Bon, moi, je suis partie de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de côté, donc ça sera vite fait. Hein. Mais pour les autres, bah, écoutez, petite pause. Donne. Bah, c'est les aléas du direct, hein, vous m'excusez. Vous voyez que là, c'est pas du. Hein, c'est direct live. Voilà. Bonjour Maxence. Coucou. Voilà. Merci. De rien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Wall Street va s'écrouler. Bon, ça aussi, hein, ça fait longtemps qu'on nous le dit. Wall Street va s'écrouler. Ça fait des mois, voire des années qu'on nous le dit. Sauf que là, ça s'approche vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. On n'a jamais vu les taux aussi bas. Pourquoi on met les taux aussi bas? Pour qu'on puisse acheter et renflouer la banque de façon à ce qu'elle remonte. C'est pour ça que les taux sont bas. C'est parce que plus les taux sont bas, plus les gens y feront de crédit et plus il y aura d'argent qui va rentrer, forcément. Sauf qu'à un moment donné, bah, les gens, bah, ils n'auront pas les moyens d'acheter quoi que ce soit puisque le système nous serre la ceinture. On voulait aller chercher de l'argent. Sauf que les banques, n'étant pas trop cons, elles disent, même à ceux qui n'ont pas trop les moyens, on va leur prêter. Hein, parce qu'au pire, ils vont rembourser. Dans le meilleur des cas, ils vont rembourser. Dans le pire des cas, il y aura les intérêts qu'on va leur piquer. Donc forcément, si on veut que la hausse tienne, il va falloir aller chercher de l'argent quelque part. Alors moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est quand même que la FNED, c'est quand même l'argent. L'argent, il vient de quelque part. L'argent, il vient de quelque part. Hein. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel comme ça, parce que autrement, moi, j'en aurais plein ma terrasse. Hein. L'argent, il ne tombe pas du ciel. Hein. L'argent, il vient de quelque part. Alors, on met l'argent qui vient, grosso modo, des contribuables pour renflouer une bourse aux États-Unis qui nous pique notre argent. C'est pas bon, ça? Voyons voir. Est-ce que c'est pas bon? Ah, moi, je trouve ça formidable. Ah, moi, je trouve ça formidable. Hein. Le système, il est au top. Ah, il est au top. D'où le fait que j'attends qu'il se casse la gueule, mais royalement et vite fait. Hein, parce que le système, il est au top. Hein. Les gens qui sont pas prêts, ceux qui disent, oh, tiens, c'est vrai, la bourse va s'écrouler. Mais oui, mais allez voir sur Internet. Mais oui, bien sûr qu'elle va s'écrouler, la bourse. Ben oui, parce qu'à un moment donné, quand même, la FNED, elle va pas rembourser, elle va pas continuer comme ça à rembourser pendant des années, des années, des années, hein, non? Vu déjà le montant qu'elle met tous les trois jours à Wall Street, elle va pas pouvoir continuer à rembourser comme ça pendant des années, que dis-je? Des jours, voire des semaines, c'est pas possible. Donc forcément, ça va tomber. Et ce jour-là, je dirais, alléluia, alléluia, parce que moi, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai une maison, j'ai une voiture. Vous voyez la gueule de ma voiture, vous comprendriez. J'ai mes enfants, j'ai fait mes réserves, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à perdre? J'ai mon potager là. Je suis. Et alors? Il n'y a plus d'électricité, c'est pas grave, je prends fou, moi, j'ai des bougies, j'ai... Pour réchauffer, bah, sur la terrasse,
Il y a le barbecue, hein. Travaille au gaz. Tant que j'ai du gaz, ça va. Quand j'aurai plus de gaz, bah, dans le barbecue, j'allumerai du feu. Je ne panique pas. Je suis contente. Je suis contente. J'ai plus un copec, mais je suis contente. Parce que ce système ne me convient pas du tout. Donc, je suis contente. Il y en a qui sont paniqués. Attention, 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 alerte. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a... Ouais, mais oh, relax, Max. Ça peut être que meilleur pour certains. Ah, évidemment, ça peut-être pas aider les grands là-haut, forcément. Mais ceux du bas, ça peut être que bénéfique pour eux. Ça peut être que bénéfique. Moi, je ne sais pas où est le problème. Je ne vois pas de problème. Je ne vois qu'une solution. Et j'attends avec impatience qu'elle arrive, cette solution. Forcément, les gens vont devenir dingo, mais de toute façon, ils le sont déjà, dingo. Voter pour un président pareil, il faut être dingo. Enfin, excusez-moi, hein, j'ai mis un jugement. Oups. Pardon. Mais je sais pas. Hein, être content d'être dans un système pareil, je sais pas. Hein, faut déjà pas être net ou clair ou je sais pas. Il y a un souci quelque part. Hein. Alors moi, je pense, pour en venir à bout donc, et donner la parole s'il y en a qui veulent la prendre, pour en venir à bout, moi j'ai envie de dire que il faut savoir lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire être complètement indifférent avec ce qui se passe à l'extérieur. Non, parce que forcément, ça nous touche. En tant qu'être humain, ça nous touche. Mais en tant qu'être souverain, pas du tout. Pas du tout. En tant qu'être humain, ça nous touche. Mais pas en tant qu'être souverain. Voilà. Et donc, pour vous dire que, bah, il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur les choses... Maman. Quoi ? À ce soir. Lâchez prise sur les choses que vous ne, auxquelles vous n'avez pas le moyen de faire quelque chose. Par exemple, la terre qui tourne, hein, et vous n'avez pas la possibilité d'arrêter de la faire tourner. De toute façon, c'est dans la nature. On est tous ensemble et on tourne tous ensemble et la terre se régénère et tout va comme ça. Vous n'avez pas la possibilité. Si ça vous fait peur, prenez du recul. Regardez au jour le jour. Qu'est-ce qui se passe réellement, réellement, théoriquement, réellement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous ne voyez rien. Ah, il y a une hausse des températures. Ouais. Il y a une hausse des températures. Bon. Il y a les glaciers qui fondent au nord. D'accord. Mais ils vont se reformer. Oups. C'est le vent, je suis désolée. Mais ils vont se reformer au sud. Donc, oubliez le problème. On aura toujours des glaciers. Après, il va y avoir une transition entre les forêts, la faune, la flore et tout. Mais il y en a déjà eu, il y en aura encore. Il y a des animaux vivants qui ont disparu. Il y a des plantes qui ont disparu. Puis il y en a d'autres qui apparaissent. Voilà. Bah, c'est le cycle de la vie. Moi, je ne peux rien faire contre... Puis d'abord, j'ai envie de rien faire, parce que moi, je trouve que tout est très bien tel que c'est. Si la Terre, elle a envie de faire sa rotation juste au moment où on est en pleine guerre entre le bien et le mal, c'est elle qui décide, c'est elle qui voit le nettoyage, c'est elle qui le fait. Hein. Moi, je la suis, c'est tout, hein. Je l'aide, c'est tout. Hein. Voilà, donc, chauffement climatique, le crash... Moi, je pense que il n'y a pas grand chose de négatif en fait, si on regarde bien. Il n'y a pas grand chose. Si, bien sûr, il y a ces histoires de Rouen, mais je vous rappelle quand même pour information qu'il a fallu que Rouen lance son alerte pour que les autres à côté lancent leur alerte, parce que si Rouen il ne s'était rien passé à Rouen, on n'aurait jamais su qu'il y avait d'autres problèmes ailleurs. Toulouse, on ne l'aurait peut-être jamais su. Mais à quelques mètres de l'usine Seveso de Rouen, il y en a une autre qui a sauté. Mais on le sait pourquoi ? Parce qu'il y avait des journalistes à Rouen, c'est tout. Elle nous dit quoi, Jacqueline ? Coucou. Le souci, c'est que pas mal de gens sont tellement écroulés psychologiquement, travail du gouvernement, des médias, et surtout qu'ils ont infantilisé une bonne foule de personnes. Comment ? Attends, je me suis perdue. Voilà.
comment? En mettant les gens au chômage, en soignant les gens de moins en moins, bien ces personnes sont sur le qui-vive pour avoir de l'argent et pouvoir avoir une meilleure gestation de la santé, ce qui est impossible. Rien ne viendra comme avant, alors que la terre change de pôle, qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses. De toute façon, on nous fait déjà payer une dette fictive qui n'existe pas. Hein? On nous met des impôts et des impôts et des impôts pour payer une dette fictive qui n'existe pas. L'autre fois, j'ai parlé avec un politicien, je lui ai parlé un peu de la sécurité sociale. Il m'a dit, le trou de la sécu, mais c'est des fadaises. Il m'a dit, mais complètement, il n'y a pas de trou de sécu. Il n'y en a pas. C'est juste pour vous pousser à donner votre argent parce que vous n'en donnez pas assez et qu'il faut inventer des dettes, il faut inventer tout ce que vous voulez pour pouvoir donner plus d'argent et plus d'argent et plus d'argent parce que vous nous revenez trop cher, merde, à la fin. Alors, nous, on a un trou. Mais non, le trou, il n'existe pas. Le trou, il n'existe pas. Comment voulez-vous qu'il existe? Ils font tout ils font tout pour nous rendre malades. Et quand ils nous rendent malades, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on achète des médicaments. Et on va voir le médecin. Et qu'est-ce qu'il fait le médecin? Eh bien, ils prennent une partie de tout ce qu'on leur donne. C'est bien via la sécu. Hein? On paye les médicaments, mais les médicaments, ils sont plus remboursés. Donc, l'argent qu'on rembourse plus, mais qu'on achète quand même, c'est bien vers la sécu que ça va. Ou je me trompe, ou j'ai loupé un épisode. Hein? Les médecins, hein, ils sont bien contents. Ils travaillent pour la sécu. Ils sont bien obligés, on est bien obligés tous d'avoir un médecin traitant, histoire que la sécu soit au courant que vous avez un médecin traitant, qu'il vous suit pour telle et telle et telle maladie, et que donc vous êtes obligé d'acheter tel et tel médicament. Et qu'au final, eh ben, si vous n'avez pas acheté tel et tel médicament, eh ben, vous ne souffrez pas de la maladie. Donc on va vous en créer une, histoire que vous dépensiez vraiment des sous. D'où le fait que je veux quitter le système et que l'effondrement... et du pôle qui tourne alors dans l'autre sens, et du crash financier, et ben ça m'arrange. Alors, je suis désolée si je me fais des ennemis, je suis désolée si vous n'êtes pas d'accord avec moi. D'ailleurs, vous n'avez pas à l'être d'accord avec moi, parce que c'est juste mon avis et c'est juste mon ressenti, et je ne vous oblige aucunement à avoir le même que le mien, parce que chacun a son libre arbitre, et je ne vous oblige aucunement à avoir le même que le mien. Seulement, je vous demanderai de ne pas crier au secours, à l'aide, hein, parce qu'il se passe ça et ça et que vous n'étiez pas au courant. Si, on vous met au courant. N'écoutez pas la télé, n'écoutez pas les infos, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ça vous infantilise. Ah, vous êtes content de voir une petite émission. Tiens, on va regarder en famille ce soir, c'est super. Ou scène de ménage. Alors, oui, vous pouvez les regarder, bien sûr que vous pouvez les regarder. Mais à côté de ça... gardez un œil sur ce qui se passe vraiment. Hein? Pendant que vous regardez des conneries comme ça, eux, la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font passer des lois dont vous n'êtes pas au courant. Et que le matin, vous vous réveillez, vous dites « Oh bah merde! Personne ne m'a prévenu! Comment ça se fait ?» Ben ouais, t'étais tellement occupé à regarder ton match de foot ou ton match de rugby ou ton émission à la con, quand forcément, bah, t'as pas été chercher sur Internet ce qui se passait maintenant. Voilà. Ah, Jacqueline, ce serait super. Jacqueline nous dit, et à mon avis, pour l'avenir, il n'y aura plus d'argent, nous allons arriver au troc. Alors, ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Hein. Moi, je fais des pulls. Si contre un pull, on me donne un pain ou une baguette ou une baquette ou un peu de beurre ou ça me va très bien. Hein, ça me va très bien. Hein, ben voilà. Hein, mais non, parce que là, on est en train de dire que la nouvelle monnaie qui va arriver, en fait, quand le système monétaire va s'écrouler, c'est l'or. Bien, c'est l'or. Imagine la personne qui vit au SMIG, hein, et qui n'a déjà plus rien au 15 du mois. Elle fait quoi? Hein? Parce que c'est bien de mettre tout en or, mais si t'as pas de sous pour transférer en or, tu fais quoi? Mais bien sûr qu'il y aura moins de malheureux. Et bien sûr que tout sera confondu, puisqu'on sera tous au même niveau.
On sera tous obligés d'aller voir le voisin pour avoir quelque chose, et le voisin sera obligé de venir nous voir pour avoir quelque chose. Donc forcément, il n'y aura plus de riches, de pauvres, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jacqueline, mais c'est exactement, exactement. Et s'il faut en revenir là pour que l'homme prenne conscience, hein, qu'il a été trop loin et qu'il faut peut-être arrêter de prendre ce qu'il a acquis pour... enfin, ce qu'il a acquis, ce qu'il a pour de l'acquis, ça serait une bonne chose aussi. Hein? Parce que ce qu'il a, c'est pas à lui, ça lui appartient pas. Ça appartient à l'État. Hein? Si un jour, ils veulent te faire une saisie parce que t'as pas payé ton loyer ou parce que t'as pas payé tes impôts ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils te prennent ce que tu crois pour acquis, mais qui en fait appartient déjà à l'État. Il te fait l'honneur et l'avantage de te le laisser pour l'instant. Hein? Tant que tu es bien sage, que tu es bien dans les rangs et que tout va bien, il te le laisse. Ah, tu parles d'un honneur. Il te laisse ce que tu as acheté. C'est bien, hein? C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Hein? Il te laisse en profiter tant que tu es sage. Voilà. Alors, c'est comme un enfant. Un enfant, s'il est sage, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une sucette. Tiens, t'as été sage. Je te donne un bonbon, je te donne une sucette. Oh, ben, tiens, bon, je te paye une place de cinéma. C'est bien, t'as été sage. Eh ben, nous, on est pareil. On nous laisse profiter de nos acquis, en fait, tant qu'on est sage. Ah, dès que tu as un peu tendance à partir vers la ligne blanche, c'est fini. Alors là, on va chercher, attends, l'adresse IP, c'est ça, elle a fait ça, elle a dit ça, elle paye plus ci, elle paye plus ça, attends, on va aller la voir. Et hop, direction la maison pour te piquer ce que tu croyais être acquis et à toi, c'est-à-dire bah, tes meubles, hein, parce qu'ils ne peuvent pas piquer autre chose. Au pire, bah, si tu n'as rien à piquer, ils te mettent en tôle, hein, nourri, logé par la société, pourquoi pas, après tout, hein, chacun son tour. Hein. Ben, c'était prévu par Nostradamus, oui, ça a été prévu par Nostradamus, et sauf que à mon corps défendant et au corps défendant de beaucoup de gens, il faut décrypter Nostradamus, hein, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu des charades, hein, et si tu n'as pas compris la charade, tu ne trouves pas la solution. Après, si tu as compris, ça va, mais moi, il y a quelque temps, je ne comprenais pas. Hein, quand il disait la grande dame blanche va prendre feu, enfin la grande dame, la vieille dame parisienne, pardon, va prendre feu, quelle est la vieille dame parisienne? Alors franchement, je dis, quoi, il y a quelqu'un qui a plus de 1000 ans qui va s'embraser? Je ne comprenais pas, mais alors ça faisait absolument pas tilt dans ma tête, je ne comprenais rien. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils ne comprennent pas. C'est après, quand tu vois les choses arriver, que tu prends le bouquin et que tu dis « Ah, mais il a dit ça. Ah, ben tiens, il s'est passé ça. Ah, ben c'est vrai, en fait, que ça a un rapport. » Et du coup, tu revois le livre différemment et tu te dis « Ah oui, mais ça, c'est peut-être pas ça qu'il veut dire, mais c'est ça plutôt, parce que vu ce qui se passe, c'est plutôt ça. » Mais tu comprends? Tu comprends, Jacqueline? C'est ça le truc. C'est que c'est des charades. Pour lui, à l'époque, c'était très clair. Pour nous, ça l'est moins. Donc forcément, il faut qu'on fasse l'expérience de par nous-mêmes pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Ben voilà, ben je crois que j'ai fait le tour des 4 catastrophes de la semaine. Hein. Je ne doute pas que d'autres nous attendent pour la semaine prochaine, ou même voir dans quelques heures ou dans quelques jours. Hein. Moi, ça me... Je vois ça très bien comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un, mais je crois qu'il est parti. Il voulait se faire inviter, mais je pense qu'il est parti. Jacqueline, si tu veux participer et dire ce que tu as sur le cœur, c'est avec plaisir que je t'invite. Dis-moi si tu veux, si tu veux dire quelque chose et si tu veux participer. Sinon, j'ai la gorge qui sèche. Non, première vie, t'as tout dit. Tu veux plus rien dire. Bon. Et qui c'est qui m'avait demandé tout à l'heure? Il voulait que je l'invite. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus.
Je sais plus. Ah, c'était Hervé, mais Hervé, il est plus là. Bon. Il est là, Hervé? Non? Alors, Jacqueline, pour tous ceux qui profitent du circuit monétaire, c'est-à-dire les banquiers, les commerces, haut de gamme, extérieurs, ils vont avoir une belle gifle. Ah, mais j'en ai rien à foutre, moi. Tu sais, moi, les belles gifles, c'est très bien, hein. Je me suis jamais habillée chez eux. C'est pas maintenant que je vais commencer, hein. Moi, je m'habille. Alors, je me suis habillée. Je me suis habillée aux vêtements jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était trop cher. Donc je suis partie sur Ziman. Mais quand j'ai vu que chez Ziman, c'était pas vraiment de la qualité, bah maintenant, bah, je m'habille dans les vide-greniers. Et après tout, comme je sais tricoter, bah, je vais me faire des vêtements moi-même. Problème, moi j'ai une armoire pleine de vêtements que je mets pas, ben, c'est pas grave, je les remettrai jusqu'à ce qu'il y ait des trous, et puis voilà, et puis oh là là, tu sais, sérieusement, je pense que le crash financier, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver de toute façon. Donc je vais me faire des ennemis, hein, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. C'est ma façon de penser, moi je pense comme ça, c'est tout. Maintenant, moi j'ai envie d'une vie, et j'alimente le fait d'avoir une vie simple, une vie agréable, une vie où toute la famille peut être ensemble, parce que t'as le père qui va travailler dans son champ, mais la famille peut aller avec. Tu as les enfants qui vont s'amuser, mais auxquels il n'y aura aucun danger, parce que tu n'auras pas un pédophile au bout du coin qui va aller le tuer, ou parce que tu n'auras pas un revendeur de drogue qui va emmener ton fils dans des je sais pas trop quoi. Hein. Ben ouais, sérieux, ouais, ça me plairait, sérieux. Sérieux. Et c'est ça que j'alimente, tu vois. Les maisons à écosystème, les maisons qui ne polluent pas. Tout ce qui ne pollue pas, qui ne fait pas de mal à notre planète, tout ce qui peut venir pour aider la planète, ouais, je suis pour. Et l'argent, c'est juste, l'argent, c'est versus, c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ça, parce que les gens, ils font pas du tout, ah si, attends, faut pas être mauvaise langue non plus, faut pas être mauvaise langue non plus, il y a certains scientifiques qui œuvrent quand même dans la bonne direction, faut avouer, faut être clair, faut avouer, faut pas raconter que des conneries non plus, hein. Donc il faut avouer qu'il y a certains chercheurs qui vont dans la bonne direction, qui nous trouvent des bonnes choses. Par exemple, les plantes contre les ibuprofènes, contre toutes ces maladies, là. Ceux qui se font déglinguer, les scientifiques et laboratoires qui se font déglinguer, pourquoi? Parce qu'ils trouvent des médicaments contre le cancer à base de plantes. Hein, et qui n'est pas nocif pour nos cellules vivantes. Alors ça, ouais, non, mais on les retrouve un jour suicidés avec une balle dans la tête ou derrière, je sais pas, ou pendus alors qu'ils n'ont pas assez de centimètres pour se pendre. Enfin bon, voilà. Toujours est-il qu'ils sont plus de ce monde. Enfin, en tout cas, physiquement. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui font des choses bien. Malheureusement, on les élimine, mais ça va finir. Bientôt, ça s'arrêtera. Parce que ces gens-là, ils vont payer. Ces gens-là, ils sont là. Certains du système, moi, j'ai envie de dire que certains de notre système actuel sont là pour faire une expérience. OK. Mais je crois qu'il y en a d'autres, c'est irréparable. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est pas possible. La façon qu'ils réagissent, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'âme. C'est des hypocrites, c'est des menteurs. C'est pas possible. Parce que l'âme, elle est bonne, l'âme, elle est juste, l'âme, elle est amour. Dans ces gens-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est impossible. Alors, s'il y en a, oui, je pense qu'il y en a qui ne sont pas éveillés, mais qu'ils sont venus là faire une autre expérience et qu'ils vont être obligés de revenir parce qu'ils n'ont rien compris à l'affaire ou qu'ils ont oublié tellement qu'ils vont être obligés de revenir. Qu'il y en a d'autres qui...
merde, ils auront beau revenir, c'est vide dedans. Qu'est-ce que tu veux qu'ils reviennent faire ici? Rien. Perdre leur temps, ça sert à rien. Et cassez-vous ailleurs. Allez dans une autre dimension. Allez apprendre ce que c'est que l'amour, le partage et tout ça. Et vous reviendrez faire votre expérience ici. Et après, je vous assure que là, vous allez payer le pot cassé. Ben oui, ma belle Jacqueline qui m'a suivie jusqu'au bout, je t'adore, tu es formidable et je t'aime vraiment de tout cœur et j'espère qu'on va finir par se le prendre, ce café, un de ces jours, parce que ça me fera vraiment plaisir. En attendant, bah, je vais vous foutre la paix hein, pour cette fin d'après-midi. Je crois que j'ai déjà assez parlé. Je me suis fait assez d'ennemis comme ça, donc je vais arrêter. Je vous souhaite à tous une bonne fin, une bonne après-midi. Pas une bonne fin, parce que l'après-midi... 2h15 quand même, ouais. Bon, allez. Une bonne continuation d'après-midi. Je vous embrasse avec le cœur. Jacqueline, je te fais plein de gros bisous et j'espère que ta santé va aller mieux très vite. Je vous embrasse avec le cœur, je vous aime tous. Restez dans la paix, restez dans la paix, restez sur votre ligne et surtout prenez du recul. Ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est fait exprès pour vous dévier de votre chemin spirituel. Je vous en prie, c'est un conseil qui me vient du cœur, je vous en prie, ne vous laissez pas emmener par n'importe quoi. Alors oui, la France est mal, mais tout le monde entier est mal. En ce moment, tout le monde vit des catastrophes, que ce soit nucléaire, que ce soit avec l'eau, que ce soit avec le vent, que ce soit avec le feu, tout le monde vit des catastrophes. Mais s'il vous plaît, le fait de prendre de recul, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'empathie, ça ne veut pas dire que vous ne vous occupez pas de ces gens-là, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ces gens-là de tout votre cœur et de toute votre âme, ça veut juste dire que à l'instant T, à l'instant présent maintenant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. À part vous sentir coupable de quelque chose dont on vous a forcé la main, donc vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que vous n'avez pas demandé ça. Vous ne pouvez pas, en tant qu'être d'amour, vous ne pouvez pas avoir demandé à ce qu'il y ait des gens qui meurent de faim et des gens qui meurent de soif. C'est pas possible. Donc, puisque vous n'y êtes pour rien, prenez, lâchez prise. Lâchez prise. Laissez faire ce qui doit se faire. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Si vous n'êtes pas obligé d'aller nourrir les enfants tiers-monde, vous avez juste besoin d'aider votre voisin de palier, la petite mamie que vous aidez à traverser avec ses paniers. Il y a plein de choses à faire, bon sang, il y a plein de choses à faire. On n'est pas obligé d'aller aider au tiers-monde, même si c'est vrai que c'est là qu'on irait le plus vite, parce que c'est là que notre cœur ne pousse, parce que quelque part on se sent fautif de ce qui se passe là-bas. Hein. Et donc, on est poussé. Mais autour de nous, il y a tout autant de misère. Alors, aidons déjà ce qu'il y a autour de nous. Aidons la misère autour de nous, ceux qui peuvent. Aidons. Et à partir de là, ça ira mieux. On se sentira moins fautif. Et du coup, on sera plus libre et on pourra aller de l'avant. Voilà. Bon, alors, je vais m'arrêter là parce que, étant une femme, étant une pipelette, je ne vous dis pas, on est là pour le reste de l'après-midi. Donc, merci. Merci à ceux qui verront cette vidéo. Je vous demande en fait de bien partager mon invitation vis-à-vis de toi Jacqueline, tu peux venir quand tu veux, quand je fais un live, tu peux venir quand tu veux, c'est avec plaisir, quand tu pourras un peu mieux parler ou n'importe, c'est avec plaisir. D'ailleurs, il n'y a pas que Jacqueline, hein, je vous accueille tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui ont envie de parler, de dire quelque chose, de s'exprimer, et je vous en prie, faites-le, vous êtes là, c'est un live, hein, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, autant que vous voulez, et ça ne posera aucun problème, et même si on n'est pas d'accord, ça pose aucun problème. Voilà, donc sur ce, bon après-midi à tous, je vous aime très fort. Et à bientôt les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.